Euh, parlons maintenant. Le travail de maire. Euh, on a souvent l'impression dans les petites municipalités, que c'est pas trop compliqué, etc. Mais c'est pas le cas. Puis surtout quand il y a des problèmes qui se produisent. Euh, c'est la plus jeune maire euh, du Québec, mais elle s'apprête à quitter ses fonctions. Elle s'appelle Isabelle Lessard. Elle a remis sa démission euh, ce matin. Elle avait été élue euh, sans opposition à l'âge de 21 ans. Son aventure politique, donc, euh, se... aura duré deux ans. Pendant les feux de forêt, euh, la gestion de la crise a été tellement prenante qu'à un moment donné, euh, elle travaillait 16 heures par jour. Et là, elle dit, euh, évidemment, elle sort de là éprouvée et décide de faire autre chose pour penser à sa santé. C'est la mairesse sortante de Chapet, Isabelle Lessard, qu'on retrouve tout de suite. Madame euh, Lessard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, on vous avez vu beaucoup, Madame Lessard, pendant les feux de forêt, parce qu'évidemment, Chapet s'est retrouvée menacée à un moment et on craignait que la ville ne soit complètement emporté par les terribles feux de forêt qui ont ravagé une bonne partie euh, du nord du Québec. On savait que vous travailliez fort, on voyait ça. Mais le fait est que ça a été extrêmement dur au plan personnel. Oui, exactement. Ça a eu des répercussions. Euh, ça a eu des répercussions sur plusieurs sphères, mais une des sphères importantes, c'est effectivement au niveau, euh, au niveau personnel puis au niveau de la santé, en effet. Et là, les médecins vous ont, vous ont, vous ont euh, diagnostiqué un, un symptôme de choc post-traumatique qui est quand même quelque chose assez grave. Euh, racontez un peu euh, comment ça s'est passé et puis comment vous le vivez ça. Oui donc euh, en effet, euh, il y a eu les feux, il y a eu la gestion. Déjà l'événement comme tel, je pense que c'était, euh, ça a apporté son lot de peur, de crainte euh, auprès de tous les citoyens, euh, qu'on ait à gérer la bien crise sûr, ou pas. Bien sûr. Euh, en tant que personne qui faisait partie de ceux qui, qui en faisaient la gestion, euh, ça m'a mis un petit peu en état de panique, en état, en état de vigilance constante. Puis, euh, en, en fait, c'est que... À un moment donné, il y avait des feux, puis à un moment donné, il y avait plus de feux, mais il y a comme pas eu d'entre deux, il y a comme pas eu de déclic pour dire "ok, c'est fini, maintenant on peut passer à d'autres choses". Euh, c'est comme si mon corps était resté complètement sur le qui-vive, euh, même après les événements. Euh, donc, les difficultés à dormir, euh, les, les, les cauchemars, l'anxiété les, le, qui était extrêmement présente, là, les, les crises de panique, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment euh, emparé de moi là dans les. Euh, dans les mois qui suivaient. De, de vivre avec la responsabilité de s'occuper de toute une communauté, d'être celle vers qui les regards sont tournés puis qui doit prendre des décisions. C'est ça qui était difficile? Non, c'est pas, pas tant le fait d'avoir les regards braqués sur moi. Euh, je pense que c'est plus à l'intérieur où est-ce que euh, je devais rester forte, je devais rester euh, euh, calme, il fallait que je prenne les meilleures décisions, il fallait, puis on... La réalité aussi, c'est que c'était une situation euh, qu'on n'avait pas le contrôle dessus. On, on pouvait, bien en sûr. aucun cas, oui. on était impuissant face à la situation. Puis c'est un sentiment qui est très challengeant quand il arrive des, euh, des situations comme celle-là, de se dire, bien, peu importe ce que je fais, j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe en ce moment. Oui. J'ai lu que vous avez l'impression aussi que, à Québec, tout ça, comme beaucoup des décisions se prenaient au gouvernement du Québec, bien entendu, vous euh, ne vous sentiez pas appuyé. Bien, pas à tous les moments. Euh, j'ai mentionné plutôt euh, à plusieurs reprises aujourd'hui que j'ai quand même été très touchée par les appels euh, des premiers ministres du Québec du Canada, puis par d'autres euh, députés aussi dont le nôtre euh, qui, tu sais, qui, ont, qui, ont, qui ont été là en pensée, en encouragement et tout. Euh, la partie que je trouve qui est un petit peu plus à, à, à déplorer, euh, c'est celle où est-ce qu'il y avait des décisions qui se présentent au-dessus au de nous, mais où est-ce qu'on n'était pas consulté ou, ou qu'on était juste au courant après ou, ou que nous, il fallait qu'on appelle. Euh, ces décisions-là, puis ça, ça n'a pas été facile. Je vous donne un exemple. Euh, quand il s'agissait de la gestion des forêts, de l'accès en forêt, ça a été extrêmement difficile. Puis je suis parfaitement consciente que les gens euh, à Québec, ils, ils devaient tenter de prendre les, les, les meilleures décisions selon eux aussi, mais réellement, sur le terrain, la réalité était complètement c est, c est différente. C'est que vous, vous avez là. des pressions de, de, des milieux et d'affaires et des gens chez vous, là, c'est ça? Exactement. J'ai beaucoup de difficultés avec le concept de je prends une décision en n'étant pas sur ton territoire puis en sachant pas ce qui se passe. J'ai un petit peu de difficulté avec ce ben, donc concept. Donc, on vous imposait des décisions à l'extérieur puis c'est vous qui devez les justifier auprès des gens chez vous? En, entre autres choses, oui, exactement. Bon, et ça, évidemment, ça laisse des cicatrices, si je comprends bien aussi. Euh, oui, puis ça, ça, ça faisait juste en sorte que ça renforçait le sentiment de peur, puis de panique qui nous habitait parce que je devais justifier des, 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 des choses qui, qui, avaient, ouais. qui étaient injustifiables, puis ça faisait juste en sorte qu'on dirait qu'on n'allait jamais réussir à sortir de cette crise-là. Et Mme Lessa, comment ça vous habite encore aujourd'hui, tout ça? Donc actuellement depuis le mois de septembre, la mi-septembre, je suis en arrêt de travail euh, par mon médecin. Euh, les, les... On s'était parlé là deux semaines que j'aurais pas eu le même discours qu'en ce moment. À, à chaque jour, on, on dit souvent l'expression de journée à la fois. Donc à chaque jour, à chaque semaine, euh, je chemine de plus en plus sur moi puis sur le fait de reprendre ma santé en main. Euh... Mais c'est pas encore facile à tous les jours. Là. Je le disais, vous êtes la plus jeune euh, élue, maire, 21 ans. Est-ce que vous avez l'impression que votre âge joue dans ça? Je sais pas, le fait d'avoir peut-être moins d'expérience de vie, de, de situations potentielles? Un peu, mais pas au complet. Parce que honnêtement, oui, le fait d'avoir moins d'expérience de vie en général, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais honnêtement, une crise comme celle-là, je pense que peu importe l'âge qu'on a. <laughs> Euh, c'est difficile pour tout le monde. Là. Et là, vous voyez l'avenir en terminant comment maintenant, madame? Pour l'instant, ma priorité numéro un, c'est moi, c'est ma santé, puis c'est de revenir vraiment euh, à, en, en forme à, à 100%. Ouais. Puis euh, par la suite, euh, je vais voir quels seront les nouveaux défis. On me demande beaucoup si la politique s'est finie pour de bon. Je ne pense pas, mais pour l'instant, euh, pas pour l'instant. Bon, ah, comme on dit, vous avez aussi le temps de revenir. Hein, en masse, le temps de vous refaire. Isabelle Lester, donc m'avez sorte de Chapet, euh, merci beaucoup d'avoir parlé et échangé avec nous, parce que je trouve que c'est intéressant de, de vous entendre sur ces questions-là, parce qu'on dit toujours, ah, les gens, ils sont en position de décision. Non, on comprend que c'est aussi dur au plan, au plan émotif. Et euh, bon courage et euh, bonne chance pour la suite des choses. Là. Merci, merci beaucoup. Au revoir.